jetons d'Ibala. Y'a personne. Audi noir, c'est la nuit, sur la scène, je vois la lune, je tire une barre, les pleins phares, non, les quatre pins sur le bitume, je fais avec ma petite fille une petite balade, je vois les képis, je casse la salade, tout ce que j'ai vu si tu savais, monte tous dessus, je reste tout seul là, je fume de la frappe, c'est de la Dibala, un défait dans la voiture italienne. Quand j'ai plein, j'ai toujours pas là. J'avais un bruit, je te fais détaler. Ah, mais je crois que va masquer le bruit. Ça veut plus parler. C'est même qu'un but, voilà l'étalage. Et ça regrette pas au genre du palais. Attends, là, il est dans les plus vrais, le Bahamas. C'est quoi? Attends, j'ai envoyé un message. Je suis dans le taxi. Ah, j'ai des petits problèmes dans ma tête, hein. Genre c'est pas fluide, ça m'arrive. Ah. Je disais, attends, je vais envoyer un message à la fille. Ah oui, t'as vu, il y a une nouvelle. Oui, j'ai vu, vous avez tous sauté dessus comme des chacals. Mais non, moi je te jure, je m'en fiche, frère. Ah oui, mais les autres, je parle. Ah, les autres, ouais, t'as vu. Tom, c'est v'là le chacal, mon vieux. Oh là 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 là. BDG. Je remets une autre musique. Parle mal, mais les kékés. Yonka, ta pote, parle mal, je vais la kéké. Territoire, territoire occupé, territoire occupé, territoire. Territoire, territoire, territoire occupé, territoire occupé, territoire. Incassable, j'ai tout mis dans un coffre incassable. Rien à foutre, t'achètes combien ta sape. Rien à foutre, t'achètes combien ton sac ou bien ta ceinture et la table où tu t'assois. Ne dis pas que t'as tout dépensé. Non, t'aurais dû banquer ça. Toi, t'aurais dû planquer ça, pas sous un coussin, mais dans un coffre incassable. Hey, hey. Oh, aïe, 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 aïe. Tu sais pas conduire? Ah bah ça j'ai vu que vous saviez pas conduire, messieurs. Moi je suis c'est passager, un peu enrôlé avec son petit T-Max du Blaise là. Pardon monsieur. Non tranquille. Oh bah putain, tranquille, c'est passé, pas ta voiture là. De toute façon. Vous avez fait des galopettes là. Ouais ouais, on s'en jaillit trop moi hélas. Eh hey, je reviens, je vais voir les poyos. Vous avez utilisé ce que je vous ai donné. Quoi? Quoi? Hein? Je sais pas. Incassable, j'ai tout mis dans un coffre incassable. Rien à foutre, t'achètes combien ta sape. Rien à foutre, t'achètes combien ton sac ou bien ta ceinture et la table où tu t'assois. Ne dis pas que t'as tout dépensé. Non, t'aurais dû banquer ça. Et t'aurais dû planquer ça, pas sous un coussin, mais dans un coffre incassable. Incassable, incassable, indémontable. T'as pas tout le pognon sur l'avenue Montaigne. Gardien pour plus tard, c'est indémontable. Gardien pour plus tard, fais-toi des contacts. Avocat, notaire et comptable. Avant compte, mettre sous terre et comptaille. Yeah, ça devient pénible. Ouais, beaucoup trop de suceurs de pénis. Oh, tout ça pourquoi pour un pénis. Oh, je préfère encore marcher pieds nus. Ouais, ouais. Tu vas où, tu vas où? J'étais dedans, ça me fait pas claquer dedans. Non, non. Puis j'ai palpé comme j'ai rendu fou. Mais ça m'a jamais rendu fou. Non, non. Le coffre est fermé, je pars. Le coffre est. Ah, y'a des keufs là. Ah ouais. Attends. Le coffre est fermé, je pars. Le coffre est fermé, je pars. J'ai du cash, j'ai du change. J'ai du change, j'ai du cash. Mon coffre il est fort. Il attire tous les fous de la cash. Je m'habille en Gucci Louis Vuitton, mais j'ai de l'argent qu'on fait d'ici la reggae. Quand ça réduit, toi tu fous voilà, le temps, madame, ne compte pas que les trafics. Ah, t'es trop gars. Tellement d'argent qu'on ne dort pas. Jamais. Elle veut des vacances aux Maldives, mais elle donne son cul dans les affaires. Bif, je reconte. Impossible que je finisse à sec. Traîne qu'avec des fous de la gâchette. On va te ragasser si tu parles trop. Dis-leur que c'est moi le nouveau patron. Je veux la recette, ne fais pas trop. Que du cash. Méga cash, t'as qui prend trop de place. Que du cash. Méga cash, t'as qui prend trop de place. Menotté. 48 heures, j'ai pas de place. J'ai le bloc et si t'es balèze. Je la vis bien, moi la vie d'artiste. J'ai le bloc et si t'es balèze. Je la vis bien, moi la vie d'artiste. Beaucoup d'homies dans le haut. Ah, y'a plus de musique. Ouais, y'a plus de musique. Tout le monde descend au terminus.
Salut. Bah, merci beaucoup. Eh, de rien. Tu t'es bien occupé, Tom. Ah, j'ai fait la même formation que j'ai fait pour toi. Pour moi. Voilà. T'as vu, lui, c'est un mec sympa, lui, Tom. Ouais, vraiment. Il est très gentil. J'ai pas vu ça. Et du coup... parles comme un débile. Comme un débile. Ah, c'est parce que c'est Serge Lama. Ah oui. Quoi? Même toi, maintenant, oh, tu commences à dire Serge Lama. Et du coup, madame, vous êtes contente? Par contre, oui, je suis très contente. Je vais vous dire un truc, mais à bout d'un moment, ça va être chiant. Il y aura un jour où tu vas pas travailler. Bon, c'est pas grave. Hein. Ouais, c'est pas grave, ouais, parce que c'est dimanche. On crache pas sur un jour de repos. Ah non. Dimanche, tu peux venir bosser. Ah ouais? C'est où? Bah oui. Comme l'épicerie. C'est toi, si tu veux ton salaire, si tu veux de l'argent, bah tu viens bosser. Moi, je veux l'argent. Par contre, il faut pas faire comme certains ont fait. De partir sans rien dire. Non, non, non. On a eu un cas d'un gars qui il mettait sur le site de tabac dans les ventes. Et il fait rien. Il vendait alors qu'il... Enfin, avec la secrétaire, on voyait rien. Mais tu sais que le truc de la secrétaire, c'est un peu abusé, hein, je te mens pas. Hein. Comment ça, c'est abusé? Là, tu peux tricher sur les chiffres. Non, c'est pas ça, non, mais c'est trop abusé. Est-ce que, genre... Vas-y, je peux pas expliquer là. Mais non, en fait, j'ai pas les mots pour expliquer en tant que... Ouais. Vas-y. C'est qui m'a dit? C'est elle, ouais, je respecte, ouais. Ah, bah j'ai pas compris, mais je sais pas. Attends, ah. je voulais te dire un truc. Je viens de dire, penser. Oh, ouais. Si t'as un problème, si t'as très faim ou très soif, tu peux prendre dans le coffre là-bas. D'accord. Te servir en nourriture ou en boisson. T'es pas très regardant dessus parce que y en a beaucoup. Bah après, si. En remettre, c'est bien aussi. En fait, moi je prends, okay, mais j'ai pas les moyens pour remettre. En fait, t'as pas les moyens avec ce qu'on te paye, et t'as pas les moyens, tu veux dire. Après, c'est vrai que en fait, je peux pas remettre. C'est soit je mange, soit je. Et tu remets, mais un jour plus tard, tu vas-y. Je vais mettre des chips, c'est bon. Regarde, moi, et oui, mais tu mets ce que tu veux. Regarde, okay. Moi, quand je vais à l'épicerie, j'achète 30 sacs à sac et 30 bouteilles d'eau. C'est ce que je fais, mais le problème, c'est que j'ai trop faim, moi. Là, par exemple, j'ai faim, regarde. Bah, arrête de manger aussi. Non, voilà, j'ai pas à manger, voilà. Après, Mathis, si tu veux, à l'Hurricane, elle fait des menus, burgers, et menus tartiflette ou doge. Ouais, j'ai vu ça, ça coûte 186. Sachant que la tartiflette, elle remplit bien le ventre. Hein. Ouais. Ok, ça marche. J'irai chercher. Mais elle est où en fait? Ça fait. Wesh. Ouais, c'est elle se réveille à quelle heure elle? De quoi? Sinon, pas, si tu cherches un boulot moins salissant, la concession, il recherche quelqu'un encore. T'es payé combien? Mais y a pas que l'argent dans la vie. Bah si, en vrai, l'argent pour le début, et après... Vas-y, c'est bon. On m'a déjà parlé de la concession en plus. Ouais, bah j'y travaille. Ouais, parce que la concession, il y a un patron, il est radin. Oh, crois-moi que non. Il me prête un 4x4, il paye et tout, t'inquiète. Oui, oui, mais bah en même temps... Voilà. Connaissance. On a quand il... Après, normal, il bosse. Ah, vas-y, Tom, ça te dit, on prend un truc d'ambulance là et on danse, s'il te plaît. Parce que là, c'est un bonheur. Non, c'est bon, j'ai pas envie de me faire niquer. Ah. Je te rappelle que je dois me tenir avec au carreau. Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que toi, tu dois montrer l'exemple. Oui, et puis surtout que j'ai. Enfin, là, je t'ai crié, là. Désolé. Mais... Ta gueule. T'as le voleur d'ambulance quoi. Ah mais salut mon pote. C'est classe. Mais c'est toi. Ouais. Mais c'est quoi ce nacrage rose? Il fait ce qu'il veut.
Il fait ce qu'il veut, voilà, j'aime bien le rose. Ah, c'est bon. J'avais une camionnette rose. Pas ici, mais quelque part. Ça s'en est fort. Ouais, il est ouvert le Bénis ou pas, t'as vu? Bah oui, il y va là au Bénis depuis tout à l'heure. Au Bénis, il est ouvert. Oh là là, on est passé tout à l'heure. Putain, mais c'est 10 km/h un parc. Ah bah je vais y aller, je pense. Je vais mettre T'as pas 500 balles à me passer, s'il te plaît? Pour la fourrière. Ah putain, mais t'es... Ouais, tu fais du bien. Ah si, tiens. Eh, je te mens pas, j'ai rien, moi. C'est... Alors, je vais te dire combien j'ai. Je te jure, j'ai 46$ sur moi. Merci. Tiens. Je peux même pas acheter une sucette. Un sneakers. Je pense à toi. Non, une sucette. Non. Je sais que t'aimes bien sucer les sucettes. Au pire, la sucette, je ferai à ton employé. Mais putain, mais lui aussi, il a encore rien compris. Il y a un sens dans les parkings. Mais. Ah, depuis tout à l'heure, je cherche les flics qui sont là-bas. Et quand je. Vas-y, c'est bon. Pourquoi tu cherches les flics? Comme ça, parce que je voulais danser avec eux. Ils voulaient mettre du rail et on allait danser avec eux. On a pas réussi à les trouver depuis tout à l'heure. Ouais, et comme par hasard, ils sont là. Moi, ouais, moi j'étais vers le tabac et je suis passé en toute vitesse tout à l'heure. C'est vrai? Ouais, ouais. Ouais, de toute façon, c'est légal le tabac. Ah, ben merci. Madame, vous aimez bien. C'est pourquoi j'appelle ça les femmes, madame. Je sais pas pourquoi. Tu peux m'appeler Maddy? Oui, je sais, mais le problème, c'est que j'ai. Même si je connais ton prénom, j'appelle madame, je sais pas pourquoi. C'est le respect de la personne. Ouais, voilà, je sais pas. C'est comme ça. Non, mais c'est bien. Parce qu'il y en a, ils sont pas respectueux. Attends, il y en a, ils sont là. Ouais, ça. Non, mais genre, même des fois pour les hommes. Hein. Je sais pas. Bah, toi, Tom, je t'appelais comment au début? Monsieur. Ah, mais ouais, c'est vrai. Monsieur. Comment, Tom. Tom, il a 30 ans. Quoi? Tom, il a 30 ans, il veut pas avouer. Bon. Très sympa, hein. Ouais. D'ailleurs, non, mais c'est Maddy ton prénom, c'est ça? C'est tous les jours comme ça. À part si tu veux travailler. Ah bon? Ouais. Ouais, je te présenterai une autre pote. Elle est sympa. Ah okay, ouais, je ouais, l'autre. Ah, mais peut-être tu la connais. Elle s'appelle Jane. Je lui sends un message. J'aurais demandé, ils faisaient quoi tout à l'heure, ils m'ont pas répondu, je sais pas ce qu'ils font. C'est vrai? Ouais. Bah moi je l'appelle direct, moi. Ah, j'appelle pas, moi, ça. J'ai des problèmes avec bah même moi, au début, j'appelle pas, mais là, j'appelle. Moi, je les connais pas trop, donc je vais éviter de m'accuster. Salut! Salam! Comment ça, qu'est-ce qui m'arrive? Ça va? Ouais, ça va. Ah, je vais te présenter une personne, elle est très sympa. Bah, une personne, c'est une femme déjà. C'est pas un mec. Ouais. Elle s'appelle Maddy. C'est qui m'envoie un message. Ouais. Quoi? Ah, ouais. Nice. Elle est très gentille. Okay. Bah, si t'es occupé, laisse tomber. Si t'es pas occupé, bah viens ou sinon je viens. Le patron d'entreprise de poulet qui me parle. Du coup, je disais, Maddy, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Si jamais tu cherches un concessionnaire pour acheter un véhicule, okay. Je peux te laisser mon numéro. Comme ça, tu sauras. Même si on n'est pas en boutique, en fait, tu appelles et on vient. Ok. Ah, poussez-vous de là, voilà, y'en a, ils sont énervés. C'est le 957. Attends, je bouge mon. C'est même pas mon scooter, je dévoile. Oh, attendez, je reviens, je vais au Bénis. Le 957. Vas-y, Tom. Et mon nom, Tom, c'est Nas. Tu peux t'appeler comme ça. Nas. Par contre, y a aussi les autres concessionnaires qui sont disponibles, les numéros. Sur le site de la ville, en fait, y a le site du conseil qui est disponible. D'accord. Dans la section annonce, et il y a tous les numéros des concessionnaires en fait. Moi j'ai acheté une voiture, je te jure, j'ai jamais sorti.
Je sais pas pourquoi. Attendez, moi je vais sortir l'autre. Vas-y. Ok, voilà, j'ai enregistré. Y'a pas de soucis. Et madame, je peux vous poser une question? Oui. Vous aimez l'hamburger? Le quoi? L'hamburger. L'hamburger? Oui. Bah oui, comme tout le monde, je pense. Ah d'accord. Non mais c'est des questions bêtes en fait. Faut pas chercher. Ouais. Serge quoi. Et du coup ils arrivent les autres ou pas? Non, justement elle est occupée, mais je pense que c'est pour le Bahamas peut-être. Peut-être, ah, hein, je sais pas. Hein, ouais. Je sais pas. De toute façon c'est moi le DJ. Eh ouais mon pote. Eh ouais mon pote. Ouais, bah, oh, si c'est moi le DJ, si en fait s'il y a une soirée, proposez-moi des musiques parce que franchement là j'ai toujours les mêmes musiques là. J'en ai marre. Je t'ai envoyé une playlist l'autre jour. De quoi? Je t'ai envoyé une playlist hier. Non, je te jure, non, j'ai pas reçu. Ah merde, c'est pas toi que j'ai envoyé. Ouais. Bah, dis-moi. C'est Serge Loubia, Alex Djalaba. Ok, alors attends. Oh, je vais mourir, vous avez pas un truc à manger là? Tiens, viens. Non, t'inquiète, c'est bon, elle m'a dit. J'ai deux paquets de chips. Non, gardez pour toi, tu viens d'arriver. La vie, elle est dure ici au début. Ouais, c'est vrai. T'as de la chance qu'il t'a embauché direct. Ouais. Après, tu me diras, je pense que c'est parce que t'es une femme. Parce que la dernière fois, hier, je suis allé non, le voir, je vrai, lui ai dit. En vrai, de vrai. Non, mais en vrai, de vrai. Hier, je suis allé le voir, il m'a dit non, on n'en recrute plus et tout, c'est fini. Non, en vrai, bah ouais, faut changer parce que là. Faut que ça soit un mix. J'en ai marre qu'il y ait des mecs là. En ah ouais, plus, à mon avis, c'est pour... ils sont là, ils... même sur les mecs, ils sont. C'est vrai que... Moi j'en veux pas de ça. Vous connaissez un lamar ou pas dans la ville? Lamar? Oui, lamar. C'est un prénom c'est ou un petit quelque chose? Parce qu'il y a deux jours, j'étais ici et du coup le monsieur il est passé à fond devant moi en voiture et il a vite freiné, il a reculé et il m'a demandé mon numéro. Ah, je connais pas. Du coup, je le demande. C'est... Non, je te jure, non, je connais pas. Ok. Après, le nom dit quelque chose parce que bon, ça, c'est venez, on va le recaine au moins parce que là, ça casse la tête. Les voitures, ils viennent, ils peuvent nous. Attends, je vais sortir le 4x4. Attends. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Hibou là, non? Ah ouais, je suis pas l'hibou moi. je t'ai pas dit ce qu'il m'a donné. Ah si, je sais, moi aussi il m'a donné. C'est vrai? Mais frère, d'où il l'a eu? Tu peux en avoir partout. Ça. Pourquoi tu fais le mec qui respecte les feux rouges? Est-ce que j'ai toujours roulé comme ça? C'est vrai? Ouais, c'est vrai en vrai. J'ai t'as eu ton permis, Maddy? Comment? Oui, j'ai mon permis. Jure! Bien, bien. C'est pas comme raté. Mon collègue du Consas, il a même pas le permis. Moi, je l'ai pas eu. Il est qui cette belle voiture? Je sais pas. Attends. Oh! Oh my god! Oh my god, celle-là, elle est pour Serge. Il est en train de faire les fils, quoi. D'accord. Et du coup, t'es en ville depuis combien de temps? Je suis en ville depuis quelques jours maintenant. Voilà. Ok. Et t'avais jamais réussi à te faire embaucher en fait? Je cherchais pas vraiment. Ah, ouais. En fait, en vrai, faut vraiment trouver un travail parce qu'après, c'est difficile déjà pour manger et tout. C'est ça. Y'a pas de RSA et tout ça ici. Ouais. Ici, c'est je difficile. Je devais aller dans la Lespizi de base. Mais LSPJ, ah. Je te jure que ça paye pas beaucoup en fait. Mais après, en fait, ça veut pas dire que ça paye pas beaucoup que voilà en fait, faut aller là où tu tiens bien quoi. C'est ça. Ouais, regarde comment j'ai. Attends, ils sont là. Attends, en plus, je dois parler avec eux. Ah là, ils nous ont vu, ils ont fait. Vas-y, là, ils cassent la tête, wesh. Ils sont partis. Tu sais que. Oh, il m'a mis un coup de crosse. Oh là! Qui t'a mis un coup de crosse? Un policier. Quand?
Il a pas fait exprès. Avant-hier. Hier je me suis pas réveillé. J'ai dormi pendant 2 jours. Parce que... Ah c'était pas là quoi. Non mais parce qu'en fait les... Tu vois les poubelles là-bas à l'intérieur. C'était confortable. Bah quoi? T'es fatigué toi, arrête de merde dans les poubelles wesh. Mais c'est Tom, il m'a proposé. Je lui dis je peux dormir à l'américain, il m'a dit tu dors où tu veux, comme tu veux. Après il m'a dit ouais mais si tu veux il y a les poubelles là-bas, c'est confortable et tout. Et si je te propose de sauter d'un pont, tu le fais? Non mais ça c'est pas pareil ça. Ah mec. Ah bah moi je sais faire la chèvre hein. Non mais c'était bien quoi. Mais si là d'habitude à cette heure-ci y'a tout le monde wesh. Ouais ouais. C'est bizarre ça hein. Là y'a personne. Ouais, casse ta tête. De toute façon l'Hurricane il est fermé hein. La patronne hier elle a dit je vais me coucher. Et là aujourd'hui c'est pas étonnant que ce soit fermé, on est dimanche. Mais même c'est ouvert normalement non? Bah ils prennent une pause hein, ça fait du bien de temps en temps. La semaine dernière ils étaient ouverts tout le temps. Ouais mais attends, mais l'Hurricane elle fait quoi? Juste elle vend des trucs, elle est là, on met de la musique, elle danse, c'est tout hein. Elle fait quoi de plus? Bah elle fait service. Oui, mais... Les gens ils passent, ils prennent à manger, ils prennent à boire et... Oui, oui, mais c'est rien ça. En vrai c'est rien. Moi si j'étais à sa place, je... En plus c'est... C'est pas comme... C'est que... What the fuck? Sia. Oula, c'était quoi ça? What? Ah c'est sur le parking en face non? Il est parti où là? Je sais pas, il court dans la ville. Ouais, mais je sais pas jusqu'où il va. Mais où est-ce qu'il va? Pourtant, y'a rien là-bas. Bah ouais, je sais pas ce qu'il fait. Il a pété un câble. Ah, le Serge, quoi. Oula, pourquoi il a tapé la femme? Ah, j'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe. Wesh, tu fais quoi, Serge? Elle m'a insulté. Oh, oh, t'as pas vu l'hélico? Non, j'ai pas vu. Oh, l'hélico, il a fait ça. Tu l'as vu, Mati? Non, j'ai pas vu non plus. Jure, c'est bon, bah c'était l'hélico, je te jure, c'était un hélico. Ah, c'est pour ça que t'es allé voir là-bas. Okay. Ouais, mais je sais pas où il a atterri. Je sais pas. Ah madame, c'est bon, c'est rien, relève-toi, c'est bon. Mais là, elle va pas se relever, t'as vu la mandale que tu lui as mis? C'est bon, frère. T'en as tapé deux, hein. Non, mais elles m'ont saoulé. Allô, la police? Hein? Tu t'en rappelles? Quoi? Ah oui, mais tu sais que j'ai pas rappelé, hein. Je sais. C'était tellement crédible quand tu l'as fait. Salopard. Ouais, je sais qui t'a donné. Je sais ce qui t'a donné, mais je sais. Je crois. D'ailleurs. Eh, hey, m'a dit, on peut te donner un conseil, moi et. Ouais. Et moi et. C'est ce qu'il m'a dit. Quand je suis arrivé en ville, il m'a dit, ouais, il m'a dit, fais pas confiance aux gangs. Voilà. Ouais, méfie-toi. Fais gaffe. Et c'est vrai. Je déteste les gangs. Ah d'accord. Voilà. Mais tu sais que le mec des marabouts. J'aime pas trop les armes, la violence, donc. Le mec des marabouts, il m'a proposé, il m'a dit, mets-toi en bleu, il vient. Je dis ouais, et je suis pas y aller. Faut se méfier, faut se méfier, faut faire attention. Après, ils sont pas méchants. Hein. Le premier jour où je suis venu ici, il y a un gang qui m'a... J'étais à la banque, ils m'ont mal parlé tout ça, et puis après ils m'ont suivi en voiture, et ils m'ont foncé dedans en voiture, et du coup j'ai dû aller à l'hôpital, à la police. Ah oui d'accord, première journée t'as fini à l'hôpital. Enas, ouais. T'aimes bien mon véhicule, ma couleur? Ouais, rose, j'aime bien. Allez, nacré rose enculé.
C'est spécial, hein, j'écoute chacun ses goûts. Non, moi j'aime bien, moi. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Vas-y, bah je vais la rentrer. Yes. Ah, prends une pastille, mon pote. Ouais, prends une pastille, ouais. Ouais, ouais. Donc, du coup, premier jour, t'as fini à l'hôpital, toi. Ouais. Ah, bah, ouais. Putain. Ah, ouais. Ah, c'est pas ouf, toi. J'ai dû changer de voiture parce que. Mon pare-choc arrière, il était mort, quoi. J'avais plus de pare-brise. C'était ta voiture, tu l'as volée. Non, c'était ma voiture. C'est vrai, tu l'as acheté en plus. Mais non. Ah, mais t'as dû me l'acheter à moi, la voiture, alors. Bah, je pense, ouais, j'étais avec Julia. Je le rappelle. Est-ce que la personne. Attends, je vais dire un truc, mais s'il te plaît, me frappe pas. Est-ce que quand t'as acheté la voiture, c'est une personne chauve qui te l'a vendue? Oui. Non, pas chauve, mais. C'est... Oh putain! Voilà. C'était moi. Désolé. C'était moi. Je te jure, je t'aime bien. Mais je suis allé voir un Tunisien depuis le temps et il m'a mis des cheveux sur la tête. C'est mieux comme ça. Hein. Bah, j'imagine bien. Il y a 3-4 jours, il était chauve, je te jure, je le reconnaissais même pas. En plus, t'as changé de tenue, hein. Ouais, bah, je change souvent. Là, je suis décontracté, là, c'est. C'est dimanche donc je suis un peu bouche tranquille. C'est vrai qu'elle a plus de gueule cette Porsche. Moi j'aime bien la petite couleur rose comme ça, ça va bien avec mon teint. Ouais, moi j'aime bien aussi. Il te manque plus qu'un monsieur Volca là en passager, c'est bon quoi. Vous faites le couple. Qu'est-ce que tu baves toi avec ton 4x4, on ira un hippopotame. C'est le patron qui me l'a prêté, je m'en tape. Ouais bah ouais. Après je vois pas le rapport avec un hippopotame. Bah si, c'est un gros truc qui avance pas. Ouais. Ça avec ça, avec les flics, tu te fais rattraper en 2 heures. Ouais mais lui, il s'en fout lui. Ouais oui. En j'ai plus, jamais ça, en plus on peut monter à 4. C'est pour ça s'appelle un 4x4. Je crois que je vais m'acheter une Smart. Tu veux une Pinto? Une Punto. Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui on est fermé, donc ce sera demain. Ouais, je sais. D'ailleurs, c'est pas plus mal qu'il vient, c'est vrai ça. Pourquoi? Parce que travailler tous les jours, au bout d'un moment, ça fait serrer, mec. J'ai bien de rien faire une journée. Ouais, enfin normalement t'as 2 jours de congé hein. Oui mais... Oups. Les 2 jours de congé ils sont pas obligatoires, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est des jours de congé qu'on peut poser quand on veut en fait. On n'est pas obligé de les poser. C'est qui ça, 4 dans une... Et vu que je viens d'arriver en ville, j'essaie de charbonner, tu vois parce que... Oh putain, y'a les flics. Oh, j'ai eu trop de chance. Quoi? Bah rien, y'a les flics qui sont passés au bout. Là. Et ben alors? Bah je suis sorti. Oh non, c'est eux. Je suis sorti. Il y a un mec, explique lui les. Y'a quoi comme travail, s'il te plaît. Comme travail? Ouais. Je cherche pas. Je sais pas, il vient d'arriver. Ouais, bah lui explique. J'ai besoin d'un petit. Ah, tu vois mon livre ou pas? Quoi, histoire de pas me prendre. Enfin, de pas me payer mon premier véhicule, tout ça quoi. T'es nouveau? Ouais, je suis nouveau et je connais rien. Je viens d'arriver en ville. Alors, Tu vois mon livre? En légal ou en illégal? Je m'ai dit, tu vois mon livre? J'ai pas envie de commencer tout de suite à faire. Oh, vous voyez mon livre? Vas-y, c'est non, quoi ça? Pas ton livre. C'est trop nul. Vous sors-le. Je préfère un illégal. Ouais, on va bien faire commencer par un petit. Et là? Il est coincé le monsieur là-bas. Non, ouais. Mais t'inquiète. Laisse-les, c'est des cons. Ouais. C'est des cons citoyens. Ouais, attends, je vais. Citoyen je vais dire un truc. Ça. Il va se faire péter la gueule. Je te jure, je voulais l'aider. J'étais en train de le pousser, il veut pas. Allez, voilà. J'ai cru que t'allais te faire péter la gueule, quoi. Mais en fait, il m'a mis pas ta chute. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Dis-toi, je me suis fait tirer.
L'autre fois, y a un mec qui m'a tiré dessus, dis-toi. Quoi? Dis-toi, y'a un mec qui m'a tiré dessus. Quand? Bah, genre, je voulais voler sa voiture et il m'a tiré dessus. Mmh. Mais c'était pas. Voilà. C'était... Ah, c'était un construit, hein. Ouais. Ah, ben, ça arrive. Ah, tu me diras, attends, je suis en train de penser à la finale à l'hôpital, mais nous, regarde, ça fait une semaine de monter en ville, on s'est fait braquer. Ah ouais! On a fini en prise d'otage, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai! Ah oui! C'est vrai, c'est vrai! Et moi, j'étais l'autre là, il était bizarre, il regardait. Ah oui, alors laisse tomber. Ouais, il regardait mes parties intimes, je sais pas ce qu'il voulait. Bizarre, lui. Braqueur ouais, bizarre. Je m'en rappelle! Et au final, il y avait aucun policier. Vas-y, ça vous dit on fait des tours de voiture là, parce que là, il y a un affaire. Allez, vas-y. Ok. Vas-y, c'est parti, mon gars. Ah, attends. Ok. Vas-y. Allez-y. Ah, bah du coup. Derrière. Ouais. Aïe. Oups. Aïe. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est qui paye les fenêtres là. Pardon. Aïe. On m'a dit c'est pas bien. Non, je rigole. C'est rien. C'est rien, il est riche. Au pire, ouvre la fenêtre pour enlever les bruits de verre là. Non, mais c'est pas grave, c'est rien. Tu voulais aller où toi? Mais j'ai pas entendu, frère, sinon y'a rien à faire. Tu payes l'essence? Vas-y. Je déconne. Viens, on va voir les flics aussi. Ils cassent la tête, j'ai envie de leur parler, moi. Et ils sont pas là. Ils vont pas être au commissariat, ils tournent sans arrêt, les flics. On m'a dit, t'as quel âge? Après, si tu veux pas dire, tu dis pas, y'a pas de soucis, je comprends. J'ai 23 ans. Mais non! Moi j'ai 22. Si. T'as 23 ans? Ah ouais. Ok. Et Jen elle a quel âge déjà? J'ai oublié. Qui? Ah, Jen elle a mon âge, je pense. Elle a pareil, 23 ans. Ouais. Ah! Tu me l'as dit tout à l'heure? Ah oui, c'est vrai, qu'on était à la plage. Ouais. Je sais pas si t'étais là. T'étais là à la plage? Bah oui, j'étais là, putain, mais t'as. Ah oui, c'est vrai. Je t'ai même sauvé la vie, c'était con. Ah hein. Oui, c'est vrai. Wesh. Oh, il a fait rentrer dedans, lui. Tiens. Ah, parce que faut savoir que si tu vas à la plage avec Serge, il sait pas nager. Mais moi, je nage pas. En plus, il y a des flics à la plage là. Ah jure bon. Ouais, bah, Julien m'a envoyé une photo. Viens, on va aller voir. Ok, vous voulez que je demande sa position? Non, t'inquiète, on va aller à la plage et on va. Ok. Aller. Ok. Attends, je reçois un message, je sais qu'il m'envoie ça. Attends, elle est en train de nager ou. Ah, où elle travaille? Je sais pas du tout. Ok, bah du coup qu'elle envoie une pause. Peut-être okay. Si on va là-bas, vas-y. On va les trouver s'ils sont à la plage. À mon avis, ils font des exercices là. Je peux mettre de la musique. Fais-toi plaisir, hein, même pas, mais vas-y. Pas fort, tu vois. Mais justement, je sais pas baisser le temps en fait. Ah. Qu'est-ce que tu veux? Je vais demander la pause. Ouais, vas-y. T'es souvenu que j'aime bien le rap américain, toi. Attends, viens. Ouais, vite fait, pas masse. C'est oui, fermé, c'est... regarde, y'a rien. Attends, bah passe vite fait, justement, juste je rentre et je reviens. Attends. Attends, j'arrive. Oui, bah oui. Tu la connais bien, hein, Julia, ou... Comment? Tu la connais bien, Julia?
Ouais, bah, c'est une amie depuis quelques années maintenant. Okay. Moi, elle m'aime pas, elle. Tout le temps, elle est sévère avec moi. Quand elle parle en fait, italien. Les gens étaient juste trop par rapport à ta façon de parler, à ta façon d'être. T'as remarqué ça ou pas? Qui, moi? Non, jamais, je te jure. Regarde bien, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Elle t'a envoyé la pause, Maggie? Elle t'a envoyé la pause? Ah, ok, non, bah non. Go à la plage, on va les trouver. Mais pas la pause. Non, mais ils sont ici, ils sont au niveau de. Ça doit être après le skatepark, je pense. Je pense, ouais. Elle m'a dit qu'elle était à la plage, mais après. Attends, va là-bas. Rentre avec la voiture. À droite là-bas là. Ouais. Ils sont pas là, ils sont de l'autre côté. Je t'assure. Bah vas-y, vas-y. Vas-y. On va de l'autre côté. Tu vois, y'a rien là. Où de l'autre côté? De l'autre côté, de l'autre côté? À droite. Bah vas-y, go. Il y a un inconnu qui m'appelle. Ah, ton numéro a déjà tourné apparemment. Allô. Ah si, te demande où t'es, tu dis. Ça va et vous? Il a une voix comment? Allô. Ils sont là-bas, je les vois. Allô. Ouais. Ah ouais, ça fait de la muscu et tout. Ouais. What the fuck? Attends, mais... What? What? C'est quoi ça? Il y a un vélo, il roule tout seul. Pourquoi il y a un vélo qui... Il y a un vélo, il roule tout seul? Ça fait peur. Voilà, elle est... What? La ville, elle est... Hantée. Non? Ok. C'est bizarre. Bon bah ok. Qui hein. C'est qui m'envoie un message encore? Ah ok ok. J'ai vu une voiture de flic en face là-bas tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont par là? Ah oui, ils sont là. Ah bah ils sont partis. Attends, qu'est-ce qui m'envoie? Mais faut arrêter de m'envoyer des messages là. Wow, wow, wow. Et toi? Mais elle est où là? Qui? Julie là. Julie? Peut-être elle est de l'autre côté, genre tu vois, de l'autre côté de. Tu vois, ah, y a pas moyen, t'accélères un peu là, tu roules tout doucement là, on dirait un escargot. Tu veux que j'aille où, gros? À l'hôpital? Julia, elle est partie à l'hôpital, ouais. Quoi? Vas-y, go, accélère un peu. Elle m'a marqué Hosto Vinwood. Accélère, accélère, accélère. Salut! Salut! Ah, tu fais quoi là? Bah rien, on se balade. Rien, on se balade. C'est taille là. Ok, on se taille, on se taille. C'est un gang en fait, j'avais pas capté. Ouais, même moi je savais pas. Ah, j'ai une question du coup. On a failli se faire niquer par les fils. J'ai une question, Nas. Quoi? Eh, vous dites pas. Vous dites pas quoi? Ce que je vais dire, y'a quoi à l'aéroport? J'en sais rien. Mais je sais pas, l'autre fois j'ai entendu les maras avec les balas. Ils ont dit ouais. T'as pas vu sur Twitter, y'a plein de gens qui confondent tic le coin. Ils ont dit ouais, personne, je veux voir personne à l'aéroport et tout. Oui, je sais, les mecs ils se fusillent là-bas, ils confondent tic le coin, mais je sais pas ce qu'il y a en vrai, moi j'en bats les couilles, je suis concessionnaire. Oui, même moi, je m'en fous, mais je
voulais juste y avoir. Je sais pas, personnellement j'y vais même pas parce que quand je vois les mecs qui se fusillent, ils se prennent en photo, ils mettent les photos sur le truc. Ouais, mais moi c'est les meilleures photos, c'est moi qui fais les meilleures. Après, c'est pas très malin parce que les gens ils arrivent par là-bas quoi, quand ils débarquent en ville. Ouais, hey. Ouais, c'est vrai, le mec lui dit je viens d'arriver. À l'hôpital, on t'a dit. J'ai envie de parler avec la gouverneure là. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je sais pas, j'ai envie de discuter avec elle. Mmh. On aime bien discuter. Avec la gouvernante. Ouais, avec la gouvernante. Et voilà, on est arrivé. Allez, on descend les enfants. Bah, t'es blessé? Bah non, pourtant j'ai mal nulle part. Bah du coup, tu vas pouvoir te faire soigner à l'hôpital. Ok. Ah ouais, il est trop beau l'hôpital. C'est une menteuse, elle. Quoi? Elle est pas là. Oula! Ça glisse. Faut glisser pour... Faut tomber. Ici, mon pote! Sur. Viens, je te dis. Vas-y, enlève le nom, encore t'as rien. C'est. Ah, d'accord, c'est le. Ça, viens dehors, viens dehors. Non. Vous savez où c'est qu'il y a un EMS là ou pas, s'il vous plaît? Madame? C'est qui, il parle? C'est Nas. Il est devant moi, la Nas. Pourquoi tu prends des accents, toi? Parce que j'ai un. Mais je sais pas s'il y a des EMS ici. Moi, je vois que t'en as un dans les mains, le seul EMS. Ouais, j'en ai un dans les mains. Putain. À l'aide! Monsieur! Ça va. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Ah lui? Je sais pas du tout. C'est qui ça? Qui? 19? Elle est rebou quoi? 19, t'as changé de couteau. C'est qui Andrés? On lui a coupé ses cordes. C'est qui 19? De quoi? Oh, excuse-moi, je croyais que vous étiez ma collègue. Ah, Julia? Exactement. Plus 4. Ah non, je suis juste une amie à elle. Et vous êtes? Ah, vous la connaissez? Ah, vous êtes pas celle qui devait venir dans l'SPD? Rien, je fais rien. Si. Ah, bah je vous attends. Hein. Bah. Je vais vous accueillir comme elle se doit. Un coup de bâton, quoi. C'est gentil. Si vous êtes de la merde, vous aurez des coups de bâton. Non, je rigole, madame. Mais si vous venez dans l'SPD, c'est pas pour faire un joujou, hein. Bon, écoutez, là, j'ai quelqu'un. Je vous fais confiance, madame. Là, j'ai quelqu'un. Bonjour monsieur le policier. Il y a quelqu'un sur mon épaule. J'allais bien monsieur. Mais sauf que. Pardon, excusez-moi. Il y a que lui-même qui peut se guérir. Oh, appelle à War 39 s'il te plaît. Appelle à War. Attends, je vais avoir un message. Ouais, voilà, quelqu'un a le numéro d'Awar. Awar? Bah ouais. C'est un joueur de foot, vas-y. Bah c'est le MS. Mais non, ça. Mais non, lui c'est Ziyech. Non, l'autre. Ah, ok. Oh, 39. Ouais. Ce qu'il a fait là. Mais je sais pas, mais il y a l'autre dans ce bâtard, il essaie de me la voler. Quoi? Ah, t'es là? Quoi? Ah non, hein, j'ai posé plein de temps. Regarde, je lui ai envoyé un message à voir en dessous. Vas-y. Pardon, voilà. T'entends ça là? Ouais. C'est bon là, c'est trop bien. Regarde, là je suis dans le rythme. Ouais. Depuis quand t'es VMS? Hey, t'as lâché. Je suis en stage d'observation. On a du bien observer pour que nous fassions. Stop. Seb. Bon, du coup, il y a un de vos collègues qui est tombé là. Qui est tombé. Ah, je peux rien faire, je suis en stage d'observation. Ne tremblez pas, vous. Elle est où, Julie? Je sais pas. Oui. Vous travaillez, je reconnais pas l'endroit. Si, mais je suis en stage d'observation. Alors, à l'hôpital. Elle m'a dit Gusto, et puis là, je suis au dépôt. Bonjour, monsieur. Vous allez dire bonjour, le président. Ah, je sais où elle est.
parlant. C'est vrai? Ouais, je présidente, c'est Loubia. Je sais, mais j'ai demandé, mais apparemment c'est trop dangereux. T'as reste qui est président. Mais comment vous savez tous mon nom? J'en ai marre. Écoute, monsieur Fromage, t'es venu au PDP. T'es venu au PDP. Apparemment c'est trop dangereux, je peux pas faire un stage. Donc je te connais. Eh, je suis pas un fromage. Si, monsieur Fromage. Elle va être dans la LSPD, hein. Oui, elle va être. Ah, elle va être dans la LSPD. Bon, ça va même pour un stade de génération, là. Elle va vraiment travailler, hein. Elle va charbonner, ça, je vous le dis. Oui, mais c'est différent. Comment tu sais qu'elle va être dans la LSPD, toi? Moi, bah, parce qu'on me l'a dit. C'était un stage d'observation, c'est pas pareil. Tu connais même pas son nom? Mais 19 me l'a dit. Tu connais même pas son nom? Ah, écoute, mais je viens de lui demander en plus, tout quand même. Arrête de sentir les gens, toi. Madame, vous vous appelez comment? Oh, Loubia, le BDG. Oui, je m'appelle Madi. Non, mais ils sont déjà. Bah voilà, bah Madi, elle sera dans la LSPD. Vas-y, parte, vas-y. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bah, là, bah, ma... en plus, il y a deux agents devant. Est-ce qu'on m'a dit où vous êtes? Comment vous... Je vois que vous, vous avez mal un peu là. Ah, moi, bah, tout plein, à l'heure, on m'a foncé dedans en voiture, mais juste me l'a pas la l'entorse. Enfin, la cheville, ça va quoi. Ah, faut aller voir bah, la l'entorse. Là, après, hein. si on vous fonce dessus comme ça en voiture, faut aller voir l'équipe de la chance, hein. Eh, hey, monsieur, vous êtes pas en patrouille normalement. Le monsieur, il vient de m'appeler. Ah, je faisais tout ça, donc je vais pas finir, ça va. Vous êtes pas en patrouille normalement, monsieur? Mais je viens de terminer. Bah, non, en fait, on voit un EMS qui est interne. Alors, logique qu'on le ramène, quoi. On s'occupe de lui, quoi. Maldi, ça c'est une très bonne qualité, ça faut pas être acculé quand on est dans la LSPD. Bon, allez. Ouais. Ok, oh, non, arrêtez, monsieur. Spéciaux les agents. C'est quoi ces agents qui se battent? Des guignols, hein. C'est quoi ces policiers? Attends, je vais les prendre en photo. Vous êtes des non, hop là. Vous prenez rien dedans. C'est bon, ils sont supérieurs, normalement, ils doivent pas mettre de patins, c'est pour ça que je les remets. Hop là, j'ai pris en photo. Suprême? Non, je supprime pas, je vais la montrer à la gouverneure. Suprême. Suprême? Oui, Nike. Écoutez, mais écoutez, par contre, excusez-moi. Oui. Regardez-moi. Oui. Je reçois pas le message bizarre. De qui? Oh, c'est qui ça? Mais ça vous dit quoi? Je sais qui c'est, je là, sais. Là, il y a un monsieur. Je sais qui c'est. Il m'a dit Salou, il y a Dark Vador qui demande si t'as vu son message. Après, il m'a appelé. Donne-moi le numéro, donne-moi le numéro. Je sais, je connais. Mon collègue, il est dans le nord. Je sais qui c'est. C'est le 644, et là, je reçois un message de 243. Il me dit si un jour vous avez un problème, mon nom et mon nom. Attends, mon numéro, Tom Wolf. 645. Tom Wolf, c'est ton chef. Tom Wolf, c'est le type qui t'a recruté tout à l'heure. Tom, il va rien faire du tout. Je connais pas. En fait, Tom, il a vu la fille arriver tout à l'heure sur le parking. Il a sauté. Non, mais je sais bien. Ah, c'est à je Tom. Sais bien. C'est quoi, il a recruté Tabac? Ouais, direct. BDG complet, quoi. C'est... Et après, on dit quoi? On dit que les Tabac, ils recrutent pas. Mm-hmm. On des guignols, là, des chiens. On se fait une réputation. C'est toi le chien, le mon Tom. Pardon, c'est pas un chien. Pardon, oui, je préfère. Arrête de traiter mon pote comme un chien. Je m'en bats les couilles. Moi je aussi. Te dis la vérité. Toi, tu oses pas lui dire, moi je lui dis. Hein. Moi, c'est pas oui. Que j'ose pas, c'est que c'est pas vrai. D'accord, c'est pas un chien du coup. Non. Là, il refuse tous les recrutements, mais quand c'est une dame, attention. C'est normal parce qu'il y a trop de garçons, c'est bon là, il y en a un peu. Aucun rapport, hein. Le Sex Sims, c'est quoi ça? Sex Sims. Ah, on est 5 garçons ou 6. Aucun rapport. Si, ça. Ah, écoute-moi, mec. C'est quoi tes arguments de merde là? Ah, je vais te coller une patate, tu vas te faire. Ah bon, t'as pas d'argument, tu veux taper? Oui, moi je parle avec les poings. Ah, sympathique. Bah, moi je parle avec des porte-plaintes, y'a pas de soucis. Vas-y. Tu me donneras de l'argent quand tu me touches et puis c'est tout, hein. Vas-y. Vite, mamie. Attends. Y'a des flics là. C'est pas les flics, non, c'est les MS. Bonjour messieurs, oula. C'est là-bas, y'a ton collègue. Pardon, excusez-moi. Voilà. Y'a ton collègue qui est à terre depuis 20 minutes. Ouais, le pauvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Miskin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, les flics ils l'ont ramené. Les flics l'ont trouvé comme ça, ils l'ont ramené. Les flics derrière là? Ah ouais? Oui. Okay. Faut leur demander, je sais pas. Tu peux aller te renseigner sur l'histoire s'il te plaît? Merci. Monsieur, s'il vous plaît, dites-moi ce qui s'est passé. Rien, on l'a retrouvé par terre, il m'a dit qu'il avait faim. Ah oui, ah ok. Vous avez faim, monsieur? Pourquoi il y a un monsieur par terre là-bas? Parce qu'il a pas mangé, quoi. Parce que vous voyez, moi je suis un variant et je l'ai ramené ici. Ah oui. Miskin. Bon, du coup, nous on va faire un 10-19. Tu retiens les codes radio en même temps, hein. 10-19, c'est la tour de l'arrière d'agent. T'es pas encore dans la SPD, mais je pense que tu seras donc, voilà quoi. T'as fait ton CV et t'en as donné. Vas-y, m'a dit. Ouais, je l'ai fait. Ah, oh, bah c'est carré. Attends, hein. Attends. Oui. Ok. Ouvre la fenêtre. Je sais plus comment il s'appelle. Sébastien.
Sébastien. Non, c'est bon, oui, oui, oui. De toute façon, je vais passer au garage. Ah, fais gaffe, comment ils ont fait. Regarde, ils vont l'accepter direct, mais quand c'est moi, ils m'acceptent pas. Non, mais quand je dis ça, c'est vraiment très très sérieux. T'as vu, là, parce que c'est un chien qui cul. C'est ça. T'arrives à l'hôpital, il y a moi, il y a lui aussi, qui est un chien rouge. Ah, même moi. Mais fais attention, wesh. Moi, je vais te donner deux matricules à qui tu peux faire confiance. Non, toi, surtout pas. Monsieur Fromage. Monsieur Fromage, j'en veux pas. Oh, t'arrêtes de m'appeler Fromage, tu sais quoi, je vais aller maintenant au commissariat. Pose-moi au commissariat, vite fait. Mais tu sais que c'est une victime, lui. Vas-y, pose-moi une. Merde. Pose-moi au commissariat. Tu veux pas en attendre ? Ah, m'a dit, tu viens ou tu n'as discuté avec eux ? Je veux savoir, c'est quoi mon shampoing ? Regarde. Je vais juste rejoindre mes copains. Ouais, vas-y. Oh, d'accord, attends, vas-y. Bon, allez, Cheikh, bonne soirée. Hein. Oui, on se reverra avec plaisir. Cheikh le canu, Cheikh. Eh ben. Vas-y, je vais poser plainte, je m'en fiche. Vas-y, go, comme ça. Voilà. Je vais partir. Go. Mais ils y vont, ils ont dit 10-19, ça veut dire qu'ils vont au commissariat. Oui, mais y'a pas de soucis, je connais bien les codes. Ouais, même moi. 10-19. J'étais sergent, espèce de fou. Jure. Si. Dis-moi un secret. Un secret sur la police. Plus tard, peut-être. Vas-y, là, j'ai des problèmes de tête, là, ça m'énerve. On est arrivé. Merci. On t'attend là, on fait quoi? Je sais pas, tu voulais venir, venez. Allez, vas-y, on va rigoler. Vas-y, plaisir, je m'étais. On va rigoler un coup. Faudra juste qu'on aille à chercher à manger, j'en ai plus. Et je vais bientôt avoir très très faim. Ouais, moi aussi. Bah, tu sais quoi? Viens. On va y aller vite fait. Ok. Pourquoi il a dit. Qui c'est qui va mourir? J'ai entendu Robert. À mon entreprise, j'ai ce qu'il faut. Oui, je suis venu. En plus, c'est vous qui m'avez. Tendu le véhicule, ouais. Ouais. Non, mais je me souviens, mais c'est que je vois tellement de clients que tant que ça monte en grade. Ah ouais, non, mais je comprends. Hein. Compliqué. Je me souviens même plus du véhicule que je t'ai vendu. C'est une Bista, je crois, je sais plus. Ou une... Ah non, c'était pas une Enduro ? Non, vous m'aviez vendu la Blista. Ok. À 13 005, il me semble. J'ai pris la première voiture parce que je venais d'arriver en ville, du coup. Ouais, c'est ça, c'est le plus tard. Par contre, tu vas me voyer, hein, parce que vous. tu vas me nettoyer, je veux dire. Ok, ouais, ok. Parce que c'est. C'est limite gênant, quoi. Je vous vois les clients quand ils sont là, et encore, mais même ça, j'ai du mal. Pourquoi y'a un keuf, il est là? Bizarre. Et du coup, t'es juste employé ici ou t'es patron? Non, je suis un vendeur. Ah, ok, d'accord. Alors. Tiens. Ah, ouais, quand même, c'est. Bah, je sais pas, écoute, tu me dis j'ai faim. Ouais. Merci beaucoup, mais là, c'est. Comme ça, moi, t'en auras pour la soirée. T'as pas soif, c'est bon? Non, normalement, j'ai encore 4 bouteilles de limonade, ça devrait aller. Ouais, et une bouteille d'eau. C'est qui m'appelle? Inconnu. Inconnu, je réponds pas. Monsieur à la porte, là. Et on est fermé, hein? Ça sera pour ma voiture. Ah, pour récupérer une voiture, vas-y, viens. Ah bon? Ouais. C'est la Briozo. Ah, on est au concess. Parce que j'avais fort
Dis-lui, on arrive. On arrive. Bah oui, parce qu'il y avait dans son. Et du coup, on. Bouyozo, alors est-ce que tu peux me présenter ta carte d'identité, s'il te plaît? Faut que je sache quel Bouyozo faut que je donne. Oui, c'était la noire. Ok, ouais, c'est, je me rappelle. Vas-y, reprends ta pièce. Merci. Fais gaffe à toi, Maddy. Maddy ? Oui, pardon ? Mets-toi vers les canapés. Bouyozo, c'est ça ? Oui, oui. Ouais, c'est ça. Tes clés. Merci. Et ta carte grise. Merci beaucoup. C'est marrant, les vendeurs, les livreurs, ils t'ont mis un accrochage vert avec. Ah, c'est pas grave. Oh, tu le fais enlever au garagiste. Ouais, aussi. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Du coup, attends, faut que je valide que je lui livre son véhicule et c'est parti. Ok. Let's go. Let's go, let's go. C'était Serge, non ? Comment ? C'était Serge. Ouais, ouais, Serge, je sais pas comment il a trouvé mon numéro, mais... Attends, tu sais quoi ? Attends, bouge pas. Attends, attends. Ça m'énerve de devoir boiter comme ça. Tiens, soigne-toi. Ah, merci. Pas de soucis. Ça a dû être le chat de tout à l'heure. Ouais, sûrement, ouais. Mais le mec il m'a appelé en plus tout à l'heure. Hein ? Le mec il m'a renversé, je sais pas comment il a fait pour me retrouver, mais il m'a appelé. Ok. Bah de toute façon le numéro ça tombe vite, une fois que tu as donné à quelqu'un, c'est fini. Ah bon ? Ouais. Bah, surtout, ah merde. Surtout le numéro des meufs. Ah c'est pour ça que je reçois des messages hyper chelous. Ah ouais bah ils vont s'amuser avec toi là. T'as mis ta ceinture hein, rassure-moi. Ouais, me semble. Ah là, je me suis détaché. Ah merde. C'est bon. Parce que j'ai pas envie de tuer quelqu'un à ce temps-là, moi. En vrai, mais moi, j'avais faim et soif, tu vois, c'est parfait. Ah, y'a Tom. Y'a Tom, il voulait te parler, Nas. Tom, il est où? Il est dans la voiture là. Attends, je me gare. Ah, tu voulais me dire quoi? Bah non, en fait tout à l'heure je... Crie un peu, Tom. Ah, parle plus fort. Ouais, tout à l'heure je voulais te dire. En fait, je te cherchais, mais je savais pas que t'étais un feignant et que le concert bah, est en fait, fermé. Il est tout le temps avec moi, appelle-moi en fait. Mais il est fermé le concert ce dimanche, je peux que livrer des véhicules. Oui, bah je savais pas. Oh là là, bande de feignants. Ah, tu l'as dit tout à l'heure. Bah, j'ai pas écouté. Tu feras gaffe, ah, ça veut dire y a Nas qui est avec ta meuf. C'est pas ma meuf. Ah. C'est une collègue de boulot alors, je la respecte. Depuis quand on embauche des femmes au taf? Ouais, je t'ai... T'es ouais, attends, il a un problème. Mais non, on est d'accord, Classe. T'as un problème, attends, hein, je m'en prends. Classe, on est d'accord, ça fait deux jours qu'il dit à tout le monde. Ça fait deux jours qu'il dit à tout le monde, on n'embauche pas, puis tout de suite il embauche pas. Mais oui, c'est ça en fait. Mais c'est énorme, c'est pas grave, moi je le comprends, Tom. Tom, c'est mon pote, hein, Tom. En fait, je reformule ma phrase, c'est genre, pourquoi on embauche une femme alors que. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y en a qu'une seule femme, frère, c'est bon. D'accord. Moi je suis pour l'illégalité des sexes. Donc, ouais, l'illégalité, voilà. Illégalité, d'accord. Ah ouais, tu vois. Ouais. Voilà, il a perdu. Le rôle, ça va faire venir le vent, on va oublier. Ouais. Oh, il a vu une femme, il en perd ses mots, quoi. On va... Voilà, il va me rouler après. Salam alaikum, khoya, wesh, la baisse. Ah, il va me courir après. Oui, akhi. Ça va, alhamdoulilah, et toi, akhi, tout va bien? Molto, molto bien. Bien. Tu manges les bueno? Tu fais quoi? On se balade. On tourne en rond. On se fait chier. Je suis en voiture. Allez. Je traîne partout. Bah où à la plage?
Du côté où il y a les jet skis là, parce que l'autre côté il y a le gang qui nous a jarté tout à l'heure. C'est quel gang qui vous a jarté? Je pense que c'est les Fields. J'ai très faim. C'est là où il y a le parking plage. Ouais. Ah, vous bloquez la route. Il faut aller à l'opposé en fait. Tu vois là où il y a la fête foraine, en dessous de la fête foraine. Ouais, 610 quoi. C'est ça. Ok, toi ou pas? À toutes. Attends, de toute façon tu seras arrivé avant moi avec ta voiture. Par contre, tu fais gaffe, t'as les warnings. Ouais, je sais, je sais pas comment on les vire, je m'en bats les couilles. C'est ton muscle au-dessus de l'entrée. Bah, ton tableau de bord. Tu vois, y a la... Ah, bien vu, merci. Ah, allez, on y va. Oh, le marin, il me casse la tête là, tout à l'heure il m'appelle. C'est qui t'arrêtes le marin pas... C'est l'autre là. Non, t'arrêtes pas ici. Pourquoi il me casse la tête? Il me dit, t'es où? Je dis rien, je suis en ville. Ah, le marin. Ouais, le marin. J'avais compris le marin, moi. Je... Non. Oh, quand tu vas-y, la... elle est où, la gouvernante? Je sais pas. Oh, j'ai très faim, genre, vraiment. Très, très. Hein. Tu m'as dit quoi? Il y a un président. C'est une gouverneur. Ouais, c'est une gouverneur. Okay. J'ai envie de lui parler, en fait, mais je sais pas où elle est. J'ai des secrets à lui dire. Je lui ai posé plein de questions. Tu veux déclarer ta flamme? Non, rien à voir, elle est super moche. Mytho. Je te jure. Mais moi, je m'en fiche, moi. Je m'en fiche de ça. Déjà, ça me fait un dégoût, elle m'a traité de puante l'autre fois. Oh putain. Irrespectable. Ah, carrément. Ils sont où là? Peut-être ils sont vers les skis, c'est à droite. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Vers les jet skis, ouais. Attends, il m'a dit 611. 611, bah c'est juste là, là, derrière. Derrière ça, là. Regarde comment il fait le mec qui nous attend. Notre première rencontre, c'est ici. Avec Nas, ouais. Ouais, avec Nas. Mais qu'est-ce que vous avez branlé, quoi? Ah, je roule. Aïe, madame. Oh, pardon. T'es lent, hein. T'es lent du cul. Vous avez un truc à manger, s'il vous plaît? J'aurai à manger et à boire. Ah, va te donner, je vais te donner. Vas-y, merci. Alors, on va chercher. Qu'est-ce que tu fais? Je prends un vélo. Ah, non, attends. Mais non. On va prendre les jets. Ah ouais, je reste... Oh, t'aimes pas le bateau? J'ai pas envie de me noyer. Non. Nom 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 nom. Bon appétit. Nom 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 nom. Merci. Ah, le bâtard. Aïe aïe aïe. Ah, Tom, tu m'as pris une mauvaise image pour la personne. Il est où, classe? Tu veux les petits trous ou pas? Il est où, classe? Il allait chercher un jet, mais je sais pas. Hein? Ils sont derrière les jets. Hein. Je sais pas, on y va? Ah, bah y'en a là-bas. Eh, hey, tu fais une rayure sur ma bagnole, je t'en mets une. Rigole. Tiens, tu veux le vélo? Ah non. Viens là faire du vélo. Il est parti où? Serge. Parti dormir un peu. Ah. Il revient. De la clope. Oh,
Ah, vraiment, ça fait du bien de rien faire pour une fois que je suis pas à la boutique en train de vendre des véhicules, quoi. Et t'es en ville depuis combien de temps? Depuis 2 semaines. Ah, ok. Depuis 2 semaines. Mais ça faisait un moment que j'étais pas venu sur une ville comme ça. Ça a bien changé d'ailleurs. Ça s'est bien agrandi. Ah oui? Ouais. Et toi? Ouais, moi ça fait 2 jours que je suis là. Ouais, ça fait 2 jours, mais je veux dire. Tu débarques tout juste sur ce genre de ville ou? Ah oui. Ok. Tu découvres là. Ouais. Et quand tu connais personne, c'est pas évident. Ouais, au début, ouais. C'est même chiant. Ouais. Je peux le confirmer. Après. Hein? Je sais pas, apparemment, y'a pas de jet. J'entends pas, t'as dit quoi? Apparemment, y'a pas de jet. Ah bah, j'ai pas rien. Y'a pas le 31 ni le 27, alors on est dans la merde. J'ai pas rien. Bonjour. Comment t'as fait? Bonjour. Voilà. De quoi? Oh ah voilà, on va se faire braquer là, plus d'un an, qu'est-ce qui se passe? Wesh les amis, ça va ou quoi? Wesh. Allez, levez-moi. Ça va? Ouais, ça va et vous? Pas les voitures. Un par voiture, je peux choisir. Non, tu vois pas choisir. Et toi là, avec ton t-shirt, là tu cours là. Ah, monte dans celle-là. Monte dans celle-là. Ah bah... Je monte? Non. Tu le fais? Eh, passe votre téléphone de radio et arme. J'ai pas d'arme, monsieur. T'es sûr? Ah oui, j'ai pas d'arme. Tiens, je te file mon téléphone. Ah ouais, t'es sûr? Oui. Enlève tes lunettes là, c'est d'armes ça. Si jamais. Allez pas au quartier, go se réunir tout au fond de la fête de la plage. Et mettez-vous des masques. Masquez-vous. Monte. Et t'es où, Preston? Vas-y, go, vas-y. Ça va bien, monsieur? Oui. T'es pas un mec du conseil, c'est enfin, pas trop. Si, c'est moi. Qu'est-ce que je connais, toi? T'as pas déjà été pour un otage, toi, une fois? Si, c'est la deuxième fois. Je connais bien votre façon de faire. Efficace. Tout ça. Oh, le concessionnaire. Oui. On t'a pris tes téléphones toi? Oui, mais il m'a pris mon téléphone. Tu as quoi ton nom toi? C'est Nas. Nas? Ouais. Si t'écoutes tout ce qu'on dit, tout va bien se passer, ok ou pas? Ouais, bah la dernière fois tout s'est bien passé, donc j'ai pas. T'inquiète, je vais pas. Ah, mais j'étais un habitué? Oui, ça fait 2 fois. Ah, ouais. Ah bah vous avez pas de chance, monsieur. C'est pas grave, de toute façon, je suis pas là pour foutre la merde, je vais faire ce que vous dites. Y'a pas de soucis là. J'ai pas envie de me faire niquer. Ça serait bien si les filles qui coupaient. Attends contre le maire. Contre le maire. T'es aussi fouillé. Merci. Je te fouille. Oh, j'ai glissé. On a 4 on a 5 otages. Mets un masque. On force peut-être ta poche arrière là. Mais t'as un masque. T'as un masque. Ah, il manque pas une personne! Oh, Williams! Ouais. Il y a pas une meuf avec nous là? Oh, il a un calibre, je peux prendre? Masquez-vous! Qui? Je pense qu'elle est. L'otage. Oh, il manque pas la fille! Le mec là! Tu travailles dans quoi toi?
Non, lui, t-shirt blanc. Mais t-shirt blanc. Comment ça fait ton calibre? Laissez-le, hein, calibre. Laissez-lui, prends ton calibre. Pour la chasse, on va pas le prendre, pour la chasse. Ouais. Tu lui prends. Non, mais elle est partie où la voiture? Tu lui prends son calibre. Putain. Non, prends-le pas, laisse. Genre, tu le prends, mais tu le prends. Tu lui prends pas, genre, de toute façon, on lui a déjà pris dans sa poche. Je te le prends. Ouais, ouais, je l'avais déjà pris. Ah, il manque pas quelqu'un. On a cherché l'autre, ouais, je sais pas où elle est. Ils lui ont dit de courir à la meuf, t'as pas entendu? On lui a dit de courir, on lui a dit. Ouais, c'est du tien, c'est du tien. Voilà. Ah ouais. On cherche une autre. Et pourquoi nous? Ouais, vas-y. Ah, parce que vous êtes des. Parce que vous êtes. Je crois, là, il y a un cautionnaire. Moi, je crois que c'est deux civils. Et toi, je suis pas ce côté. Putain, bande d'enculés. Moi, je suis un. Moi, je suis un éboueur. Moi, un SDF. Quoi, je suis quoi? Oh, criez par radio, vous allez me rendre fou. Moi, je suis un civil. Bah, je crois qu'ils ont déjà eu. Moi, je suis un civil. Toi. SDF. Quel clé. De toute façon, il peut rien prendre à la SDF. Il vous river. Eh, moi, j'ai pas envie de mourir. Hein. Ah, retourne-toi, dépêche-toi là. Retournez-vous là. Non, monte pas les otages. Et quelqu'un sans armes, il monte dans la. Voilà. Non, mais quelqu'un parmi, Ah, s'il te plaît, vous pouvez me donner à manger. Attends, ça va. Mais pas dans l'oracle. Oh, relève-toi, t'inquiète. Tu peux baisser les bras là. Je suis fatigué, je peux baisser les bras. Non, mais c'est bon, t'inquiète, on va pas mourir. Ah, vous savez que je fais de l'escalade? L'escalade? Ouais. Là, à tout moment, je peux partir. Non, mais vas-y, reste là, tranquille. Essaye, tu vas voir. En plus, ton pote. Attends, mais ton pote, il m'a dit de courir, mais attends, après, il m'a dit de remonter. C'est qui t'a dit ça, là? De quoi? C'est lui, là. C'est qui t'a dit de partir à ce moment, là? C'est moi. Avance-toi. Oh, il est trop con, il va se faire taper dessus. Moi c'est sûr. Tu crois que t'es tiré toi? Tu les mains dans tout le monde là? Non. Tu veux mourir toi ou pas? Non, j'ai pas envie de mourir, c'est ce que j'ai dit. Alors tu fermes ta gueule et tu baisses tes yeux. Tu comprends pas? Comme ça tu pars à ton moment. Non, mais c'est, je dis ça comme ça, c'est pour ça. Ouais, comme ça, c'est partant, vas-y, repars contre les murs. Ah, je veux pas. Il revoit la pluie. Je te jure, mon gars, il est vénère, ils sont sous crack. Jure, t'en tue. Ouais. Que vous m'égantez. Ah, vous m'avez pas dit de courir au début? Non, t'as pas dit. Si, c'est moi qui te l'ai dit, c'est moi. On a dit à la meuf. Ah, bah voilà. Comme toi là. Ouais. J'ai pas confiance en eux. Bah, pourquoi je suis là si tu m'as dit de courir? Parce que j'avais envie. Parce que t'as pas envie de faire le mec, tu vas prendre balle dans la tête et tu vas mourir. Tous mes négros sont calibrés. Arrête de parler, tu vas nous faire tuer. Tous mes négros sont calibrés à tout moment et te pètent une tête. Vas-y, c'est bon, Jean. Merci. Codard. On fait quoi, genre on style, non? On les prend, vas-y, on va à la banque. Il nous manque une voiture, il y a eu un petit souci. Il y a non, un petit bout de la pétanque. C'est bon, il y va là. C'est bon là, regarde. Voilà, bateau, vous avez voté. Chacun dans une voiture. Chaque conducteur dans une voiture. Là. Oh le. Vas-y, non, le mec d'a 10 000. Va dans l'oracle. Va dans l'oracle. Non, vas-y, vous montez. Votez dans les véhicules. Vas-y, ok. Un par un. Toi, tu vas dans celle-là. Toi, tu vas dans celle-là. Monte, c'est bon. Allez, vas-y. Monte, mais je te mets ta ceinture. Yes. Mets-toi à l'aise. Qu'est-ce qui a mis la musique? Je sais pas, fais pas attention.
Ah désolé, j'ai eu un petit souci de tête avec la voix. Sinon ça fait quoi? L'otage. Je peux pas. Je dois sortir. Oh toi derrière là, l'otage. Commence pas à faire le héros, des trucs comme ça. Sinon ça va mal se passer. Attends, de toute façon je le surveille. Non mais je bouge pas, t'inquiète, j'ai pas envie de mourir. Ouais. Vaut mieux prévenir. Moi aussi j'ai pas envie de mourir. Bah meurs pas. Bah soyez gentils avec nous au moins. Bah soyez gentils avec nous, on est gentils avec nous. Moi je suis gentil. Ouais ouais ouais, c'est gentil. C'est gentil. Et tes autres collègues, on dirait ils sont énervés. Mais non, ils sont toujours plus sans là. Ah, ils font des acteurs. Oh non. Ah, t'as pas trop. T'as changé le début, c'est grave. Ouais, ouais, ouais. Attends, je sors pour. Ah non, c'est bon. C'est bon. Ah non. Oh là, ton collègue, l'otage, c'est un éboueur. Il travaille même pas. Ah ouais, putain. Enfin, je crois qu'il travaille pas, j'en sais rien en vrai. Putain, c'est chaud, c'est pas si ton petit taf. À enlever ta ceinture, tu vas descendre. Ouais, oh, je t'enlève ta ceinture. Il travaille au tabac, je crois, je sais pas. Après, je m'en fous d'où il travaille. Je traîne avec lui parce qu'on discutait tranquillement. On est en train de faire connaissance avec la fille sur la plage. Et vous êtes arrivé. Allez, motte. Voilà, mets ta ceinture. Ouais. C'est moi qui dois me tailler avec l'axe.